Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 3 de Harry Potter UHC. Je vais faire le montage de l'épisode 4 directement après parce que j'ai décidé de rejoindre Guillaume, Lo et Damien à l'opposé de la France. En général, les IRL comme ça, on poste beaucoup de choses sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow sur Instagram pour voir les stories. Aujourd'hui, on a du taf. Déjà, j'ai deux montages à faire et en plus, on a un bingo à terminer et une chambre des secrets à gagner, bien évidemment. Bref, pour vous dire que ça va être un épisode très intéressant, donc n'hésitez pas à le regarder jusqu'à la fin. Je pense qu'on va plutôt taper sur Chartes 3 en diamant ou sur une épée en fer. Chartness 3. À 50, dans 10 minutes, il y a le PVP. Du coup, les premiers morts arriveront sûrement dans 10 minutes. Étant donné que c'est fait pour ça, hein, il ne faudra pas aller voir les autres joueurs et leur dire « Ah, t'abuses !» T'as besoin des kills pour engorger le plus de points. Hop, alors qu'on s'enchante, on va gaspiller un peu nos levels. On est monté très haut en level. Hein. Alors qu'on va crafter l'enclume, mais je crois que ça va me l'enlever directement pour le bingo. Ouais, ouais, voilà. Bon, ce serait bien qu'on finisse le bingo cet épisode. Regardez, on a tous les maps du jeu sauf des... Oh là là. Oula, qu'est-ce que tu fais toi? Pourquoi tu m'as attaqué toi? Je l'ai pas en pierre. Alors que Isley Gillis finit le bingo et remporte 15 points. Ça met vraiment le fil dans cette game. C'est vraiment le fil. T'as abusé, hein. C'est quoi cette faille en plus de 1 sur 1, là? Je me sens oppressé. Je ne peux pas évoluer. Je peux pas avoir un spawner ou quoi que ce soit, n'importe quoi qui me donne du fil. Vraiment, hein. C'est si difficile d'avoir un arc en 2020. Non, mais j'ai une excuse, c'est parce que je me suis réveillé en retard. Ça, j'aurais bien aimé pouvoir remonter directement, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça me termine, ça me termine. On est quasiment... On est 8 à pas avoir fini le bingo. 8. Vous vous rendez compte? C'est énorme. J'espère que si quelqu'un a eu un mineshaft, il a pris du fil en rab. Mais tous les mineshafts que je ne trouve jamais, c'est le moment de venir. C'est le moment. Oh, il y a une chanteur de la lave, peut-être. Pour le joueur français. Alors qu'on va récupérer du fer, parce que ce serait bien qu'on utilise nos levels pour s'enclumer. Ah, alors que mon or est parti dans la lave. Je suis un peu triste quand même. Oui! Le mineshaft! Enfin! Après tant d'années. Ah ouais, on va enfin pouvoir avoir notre équipe. Savoir dans quelle contrée on va devoir se diriger. C'est bon, tout est fait. Est-ce que vous êtes prêts? S'il vous plaît, pas les mange-morts! S'il vous plaît, pas les mange-morts! S'il vous plaît! Oh, ça va! Ça va! Et là, je suis très content de mon équipe. En effet, en termes de points, mon équipe n'est pas dernière. Et en plus, il me manque un joueur. Quelqu'un qui n'a pas fini son bingo. 15 points potentiels. Ah, je suis rassuré. En plus, je suis avec Chobax. Chobax le bro, qui est un très bon joueur. Du coup, en termes de PVP, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Et d'ailleurs, en parlant de PVP, il va falloir qu'on joue d'une manière très agressive. Chaque kill rapporte 10 points. Ce n'est pas négligeable. Mais il y a aussi la chambre des secrets qui peut nous apporter des points. Il va falloir réaliser un bon top pour espérer rapporter le plus de points possible. D'ailleurs, en parlant de chambre des secrets, ça arrive maintenant. Alors qu'on en couche 9 hein, dans mineshaft, ça c'est pouvoir trouver du diamant. Bon, j'ai plus de bois mais j'ai un mineshaft. Donc on va faire clairement la technique de galérien. Bon, je vais remonter je pense, mais bon il me faudra plus de diamants quoi. Je vais remonter parce qu'il faut que je farme des pommes et en même temps... Alors que le portail est allumé hein. On va pas y aller. Trop dangereux. Pour la sainte biche. Nux. Thanks. Merci. Bon. Imagine t'as un galérien au point de prendre... Bon. Alors que dans 5 secondes, on va avoir nos équipes. Je suis... Ah, on est... Je suis avec Tupai. Parfait. Parfait. HP votre monde. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un jump. Ok, pour avoir des points. Slash HP. Vote. Vas-y, je me vote moi. Du coup, je me retrouve en team avec Chobax et Tupai. Chobax, un très bon joueur en PVP, et Tupai qui connaît très bien le scénario. Les trois joueurs de l'équipe peuvent voter pour le champion qu'ils enverront dans la chambre des secrets. On verra si je vais être choisi. Ah, ouais, il y a un jump là. Ouais, ouais, c'est vrai, il y a un jump, putain. Oh, salut. Ah. Salut. Oh, ouais, salut. Ça salut. Vraiment. Salut, vraiment. Salut, salut, salut. Vraiment. Let's go. On commence du coup là, les gars. On est beaucoup, les gars. Non, c'est que dalle en fait, c'est... Oh non, mais vraiment, c'est horrible. Aïe, de ouf, on voit rien. Mais attends, le truc... En fait, on est tous entassés. Bah oui, je ne perds pas mon temps, vous l'avez remarqué.
Des heures de jumping, je ne vais pas me faire dépasser par des novices, bande de fous. Mon objectif est de terminer le jump, et comme vous l'avez vu, j'ai pris déjà la baie de Bertie Cochu avec Jump Boost, elle ne me servira pas en fight. En revanche, elle m'aidera plus facilement à passer les jumps, c'est pour ça que je l'ai mangé maintenant. On peut l'ouvrir ? C'est 25 pour le premier. Ça va, Damien ? Ouais. On est là, hein ? Ouais, c'est nul, ça. T'es là ? Merde, c'est pas là. Aïe. Merde, c'est où ? Mais je sais pas où il faut aller. Ah merde ! Je savais pas, ça ! De quoi ? Oups ! Oups ! Bah, il va voter pour ça. Ah oui. Ouh ! Il faut aller où, là ? Non, non, t'as pas le droit. C'est qui en avance, là ? Ah, c'est Edouard. Oh, il est trop chaud, lui ! Oh, je suis tombé sur le bord. Non. T'es en galère. Mais attends, c'est trop fort, c'est directement sur ça. C'est trop dur, on peut pas aller directement. Non, non, je pense. Hop. Alors qu'on avance dans le jump. Putain, c'était tout dans le temps. C'est trop dur. Ouais, déjà avec ce saut. Au tryhard. Au tryhard. Quoi? J'ai trouvé la meuf de diamant et j'ai oublié de faire la tête en chambre, du coup j'ai une manque de diamant. Mais comment ceux qui ont fini bingo, comment vous avez fait pour le Nether? Ah, oh, c'est bon. Bah, il faut faire cuire la Netherrack. Non, on peut faire cuire la Netherrack. Oui, mais. Merde. Non, je t'ai passé. On peut en prendre plusieurs, mais ah, mais en fait, on peut les prendre à plus. Oui! Oui, mais putain, mais je suis trop fort! On pouvait en prendre plusieurs! Je sais pas, j'en ai pris qu'un. Bon, c'est pas grave, au moins on est bien. Des heures de jumping en live sur Twitch pour ce jump en particulier. C'est une petite victoire que je rapporte ici. Je rapporte ainsi 25 points à mon équipe. Putain, les gars, on a géré le jump league! Le jump league! Ah, alors qu'on a des baies de Bertie Crochu qui nous donnent résistance pendant 10 secondes. Putain, mais je suis trop con, j'aurais pu tous les prendre, j'étais premier à chaque fois. Eh ben non, en fait, tu n'avais pas le droit de les prendre. Ne vous inquiétez pas, j'ai handicapé personne, étant donné que personne n'a réussi à arriver à la fin du jump. Ah là là, alors que ma team a bien fait de m'envoyer au casse-pipe. Alors qu'on va les rejoindre, hein. On va les rejoindre très rapidement. J'ajoute juste à la voix off précédente que, bien évidemment, je vais jeter ces baies de Bertie Cochu que j'ai en trop dans quelques minutes. Parce que dans quelques minutes, il va y avoir l'épée... Ils galèrent toujours sur le jump. Vous pensez qu'ils sont encore bloqués sur le jump? Mais ça, ça nous donne un avantage de ouf, en fait, s'ils restent bloqués 10 minutes dans le jump, là. Le jump league! Le jump league! Oh, y'a le PVP! Ils vont pouvoir se taper dessus! Non, ils vont pas se taper dessus, si. Bon, on va rejoindre Chobax et Tupai. Parce que il me faut du diamant. Ils auront peut-être du diamant en rap pour moi. Ici. Bon, au moins, ça nous remet bien. Le petit jump là nous remet bien. En termes de points. Vraiment, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. On va faire ça pour se mettre P2 sur nos parties en fer. 500 blocs. On les aura rejoints dans 500 blocs. On n'a pas un stuff insane, hein, je vous mens pas. Le stuff est pas ouf. Mais en fait, ce serait bien si on pouvait avoir le premier. Oui, Toup. Oh, salut. Ça va? Non. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas de fil. J'en ai pas récupéré en plus. Et du coup, je peux pas finir mon bingo. On va plier pour que Chobax en ait. J'en ai pas récupéré en plus. J'ai fini en premier, mais je savais pas que j'avais le droit de prendre toutes les baies. Tu les as prises ? Bah non, j'en ai pris qu'une par truc. Oh, t'as bien fait, c'était ce qu'il fallait faire. Est-ce que t'as. Non, sauf pour le dernier. Le dernier, j'ai pris toutes les baies de Bertie Cochu. Du coup, j'en ai 8. Garde-en qu'une, en vrai. Ok. T'as des livres par hasard ou pas ? 5, 6, 7, 8. J'en ai pris une à chaque fois. Ouais, bah c'est ce qu'il fallait faire. D'accord, ok. Bah, je suis désolé. Je suis désolé que tu sois avec moi, vraiment. Dit... Mais non, mais t'excuses pas. Mais non, moi je suis content en vrai. Les équipes sont grave équilibrées. Hein. Ouais, enfin Damien, j'ai ri un peu, mais ouais. Oui, bon, Damien, ok. Mais, si... mais sinon, bon, ok, y a Guillaume, Fucano et Nimbus. Mais sinon, ouais. En vrai, ça va quoi. J'espère qu'il a des fils, sinon je suis dans la merde. La première relique de la mort va apparaître, mais on ne va pas y aller. On préfère rejoindre notre teammate. Si, moi, t'as pas de diamant rab? J'en ai deux. J'ai deux de cannes.
Ok, bah moi j'ai 3 diams. Bah s'il en a un, on peut se faire encore une pièce et c'est vraiment génial. La cape ! Oh ! 180, ouais, 180, 154. Et c'est ici que se termine cet épisode de Harry Potter UHC. Rendez-vous dans 2 jours pour les premiers épisodes de Fight. On reste assez loin dans la course, mais qui sait, avec beaucoup de kills, on va peut-être pouvoir gagner. Passez un bon week-end et rendez-vous dans 2 jours, mes chers compatriotes.